14 ans de prison, c'est la peine retenue contre l'ancien chef de milice congolais Thomas Lubanga en appel ce lundi par la Cour pénale internationale. Au Nigeria, deux villes dans le nord du pays ont été frappées ce lundi par de nouvelles attaques de Boko Haram. Il s'agit de la ville de Maïdougouri et de celle de Damaturu. Démarrage des négociations climatiques ce lundi à Lima au Pérou. Cette session est déterminante pour progresser vers un accord contre le réchauffement climatique espéré à fin 2015 à Paris. Nous sommes le 2 décembre 2014. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à cette édition d'informations sur SICA. Nous ouvrons ce journal par le Bénin où les membres de l'opposition étalent leurs divergences sur la place publique. Le parti du Renouveau démocratique, l'un des partis de l'opposition, a annoncé ce lundi qu'il compte organiser prochainement deux marches de protestation successives. La démarche vise à exiger du gouvernement le dialogue avec la classe politique pour la tenue à bonne date des prochaines élections. Mais là où le bât blesse, il s'agit de manifester qui semble en opposition à une autre marche de protestation prévue pour le même jour et dans la même ville, la même capitale économique, Cotonou, par la plateforme des forces politiques et de progrès pour des élections crédibles, un regroupement d'autres partis politiques et de mouvements associatifs de l'opposition. Toute chose qui porte à croire que l'opposition étale, l'opposition béninoise, est minée du moins par une guerre intestine. Je vous propose ici de suivre les clarifications du député Raphaël Akotegno. Il est membre du parti du Renouveau démocratique. Les travaux du COSLEPI piétinent. L'enregistrement complémentaire prévu pour être achevé le 30 novembre n'a pas atteint les objectifs qui lui sont assignés. La date butoir du 17 décembre fixée pour la remise du fichier électoral sera probablement repoussée. Pour l'ensemble de ces régions, le PLD organisera premièrement le mercredi 10 décembre à Porte Novo, capitale du Bénin, une marche pacifique. Et deuxièmement, le jeudi 11 décembre à Cotonou, une autre marche pacifique de protestation. Nous n'emprunterons pas l'itinéraire de la marche prévue le même jour à Cotonou par les responsables du mouvement dit de la plateforme. Cotonou est une grande ville et il est de pratique courante que plusieurs marches se déroulent suivant des itinéraires différents dans une même ville. Donc, pas de provocation en vue. On peut être plusieurs partis d'opposition sans forcément penser et dire la même chose à propos de tout. 14 ans de prison, c'est la peine de prison retenue contre l'ancien chef de milice congolais, Thomas Lubanga. Cette peine a été confirmée en appel ce lundi par la Cour pénale internationale. Thomas Lubanga avait été reconnu coupable d'avoir enrôlé des enfants soldats en République démocratique du Congo. Reportage. La chambre d'appel confirme la décision de culpabilité et rejette l'appel à la majorité, a indiqué le juge Erki Kouroula à la Haye ce lundi. Thomas Lubanga a écouté le jugement de manière attentive, roulant parfois les yeux et secouant la tête. Le chef de milice congolais avait été reconnu coupable en mars 2012 de crimes de guerre pour avoir enrôlé des enfants au sein de l'aile armée de l'Union des patriotes congolais. Ces enfants avaient ensuite été utilisés comme soldats ou gardes de corps en Ituri, dans le nord-est de la République démocratique du Congo, en 2002 et en 2003. Ce jugement auquel assista l'actrice Angelina Jolie, engagée dans la lutte contre l'utilisation des enfants soldats, était le premier jamais rendu par la Cour pénale internationale depuis son entrée en fonction en 2003. Lubanga avait été transféré à la Haye en 2006 et son procès avait démarré en 2009. Il avait été condamné à 14 ans d'emprisonnement ferme en 2012. Thomas Lubanga avait fait appel du jugement estimant que ses droits à un procès équitable n'avaient pas été respectés car le procureur n'avait pas communiqué à temps des preuves essentielles qui auraient selon lui permis de l'innocenter. Le bureau du procureur qui avait demandé une peine de 30 ans d'emprisonnement avait fait de même assurant que 14 ans de prison était une peine trop légère au regard de la gravité des crimes commis. Cet appel du bureau du procureur a également été rejeté ce lundi par la CPI.
Suite du 15e sommet de la francophonie à Dakar, plusieurs centaines d'acteurs politiques et économiques étaient réunis ce lundi dans la capitale sénégalaise pour le premier forum économique de la francophonie. L'objectif de cette assise est de donner un élan au potentiel que représente cet espace francophone. Parmi les invités, l'ancien Premier ministre français Alain Juppé. Voici un extrait de sa déclaration à cette rencontre. Je crois à la francophonie. La deuxième, c'est que je crois dans l'Afrique. Et la troisième, c'est que je crois dans la nécessité de resserrer encore le partenariat entre la France et l'Afrique. Deux pays partageant des liens linguistiques tendent à échanger environ 65% plus que s'ils n'en avaient pas. Le Nigeria à présent, deux villes importantes du nord-est du pays ont été frappées ce lundi par de nouvelles attaques attribuées au groupe islamiste Boko Haram. Un double attentat kamikaze mené par deux femmes à Maïdougouri et un assaut en règle contre les forces de sécurité à Damaturu. Ces attaques, dont les bilans ne sont pas encore connus, surviennent après le carnage à la grande mosquée de Kano vendredi dernier où un double attentat suicide suivi d'une fusillade ont fait au moins 120 morts dans la capitale, dans la principale ville du nord du Nigeria. Les attaques quasi quotidiennes de Boko Haram font monter la tension au Nigeria à l'approche des élections de février 2015, ainsi que dans les pays voisins, le Cameroun et le Niger, qui ont également subi des assauts dans les zones frontalières. Et parlant justement donc des attaques de Boko Haram, les chefs d'État ouest-africains, en marge du 15e sommet de la francophonie à Dakar, se sont aussi concentrés sur les solutions à apporter à la menace Boko Haram. Pour le président nigérien Mahamadou Issoufou, il faut préconiser une riposte internationale face à Boko Haram et d'autres menaces djihadistes en Afrique. Je vous propose ici de suivre un extrait de la déclaration de Mahamadou Issoufou. Il est le président du Niger. On a pris des résolutions très fortes à l'occasion de ce sommet. On a décidé de mettre en place une force multinationale pour faire face à Boko Haram. Et très prochainement d'ailleurs, nous prévoyons de nous retrouver encore au Cameroun. Et nos chefs d'état-major, nos ministres de la Défense se concertent régulièrement. Et je pense que ensemble, on pourra faire face là également à cette grave menace que constitue Boko Haram. Bien que ces menaces ceinturent notre pays, le Niger est un îlot de paix et de sécurité. Tout simplement parce que nous avons pris des mesures très tôt pour renforcer nos capacités de renseignement, pour renforcer nos capacités opérationnelles. Nous continuerons à mettre en œuvre les mesures de défense appropriées que nous avons arrêtées. Mais ces menaces-là dépassent les capacités du seul Niger. C'est des menaces internationales qui nécessitent une riposte internationale. La Côte d'Ivoire à présent, l'ex-première dame Simone Gbagbo, détenue depuis 2011 dans le nord de la Côte d'Ivoire, a quitté ce lundi sa résidence surveillée pour Abidjan, selon les sources de l'agence France Presse, annoncée pour le 22 octobre dernier. Son procès, celui de 82 autres dignitaires de l'ancien régime, avait été reporté sine die. Ils sont accusés par la justice ivoirienne d'atteinte à la sûreté de l'État liée à la crise post-électorale meurtrière de 2010. En 2011, Simone Gbagbo a quitté Odiéné, ville située à 610 km au nord-ouest d'Abidjan, aux environs de 10 heures heure locale, pour le petit aéroport de la ville, d'où a décollé son avion à destination d'Abidjan. Son avocat, Maître Rodrigue Dadier, a indiqué n'avoir reçu aucune information de la justice ivoirienne sur le transfert de sa cliente. Simone Gbagbo est également poursuivie par la Cour pénale internationale de crimes contre l'humanité. Le pouvoir ivoirien refuse de la transférer vers La Haye, estimant être en mesure de lui organiser un procès équitable en Côte d'Ivoire. Parlons à présent environnement. La 20e conférence des Nations Unies sur le climat a démarré ce lundi à Lima, au Pérou, avec la présence de représentants de 190 pays. Les négociateurs doivent notamment définir les grandes lignes de l'accord prévu en 2015 à Paris pour contrer le réchauffement climatique. Reportage. 190 délégations de l'univers entrent en conclave ce lundi pour deux semaines à Lima, la capitale du Pérou. Pendant deux semaines, elles débattront des engagements de chaque pays dans la lutte contre le réchauffement climatique afin d'ouvrir la voie à un accord multilatéral dans un an à Paris. Un défi immense.
10 000 personnes sont attendues dans la capitale péruvienne. Une centaine d'autres personnes ont participé dimanche soir à une veillée aux bougies dans un parc de la ville. Ceci en mémoire aux victimes du changement climatique, synonyme de sécheresse et d'insécurité alimentaire. Le besoin est pressant. Il y a urgence à agir à une échelle beaucoup plus ambitieuse car les émissions de gaz à effet de serre ne cessent de croître, plus de 2,2% l'année. À ce rythme, la planète se dirige vers une hausse des températures d'environ 4 degrés Celsius d'ici la fin du siècle par rapport à l'ère pré-industrielle. Pour parvenir à maintenir le cap des 2 degrés Celsius, chaque pays va devoir annoncer d'ici à mi-2015 sa contribution nationale à l'effort global. Et justement, les négociations à Lima doivent renseigner sur la nature de ces contributions. Entre autres, réduction des émissions de gaz à effet de serre en valeur absolue, par habitant, par unité de PIB, par secteur d'activité, l'échéance également. Un espoir est permis puisque les gros émetteurs se sont engagés. Sans attendre le rendez-vous de Lima, l'Europe s'est récemment fixée comme objectif de réduire de 40% ses émissions de gaz à effet de serre jusqu'à 2030. Les États-Unis se sont engagés à les baisser de 26 à 28% jusqu'à 2025 et la Chine a pour la première fois donné une date autour de 2030 à partir de laquelle elle veut les diminuer. Des annonces qui peuvent être considérées comme un point de départ positif. À présent, nous faisons un tour en Colombie. Le général qui a été pris en otage par les FARC a été libéré. Cela ouvre du coup la voie donc au dialogue dans le pays avec le gouvernement. Reportage. Une mission humanitaire a récupéré l'officier supérieur Ruben Azalte ainsi que le caporal Jorge Rodriguez et une conseillère de l'armée Gloria Urrego, enlevés le 16 novembre dernier lors d'une mission par les forces armées révolutionnaires de Colombie FARC dans la province du Chocó sur la côte pacifique. Signal fort, c'est un commandant des FARC voyageant depuis la Havane qui a lui-même remis le général à la mission menée sous l'égide du Comité international de la Croix-Rouge avec des représentants de Cuba et de la Norvège, pays garant du processus de paix en Colombie. Le président colombien Juan Manuel Santos exigeait ses libérations en préalable à la restauration du dialogue avec les FARC délocalisés depuis 2 ans à Cuba. Dans un communiqué rendu public, la présidence colombienne a annoncé que ce dénouement contribue à retrouver le climat propice pour continuer les négociations. Déjà dans la soirée du dimanche, le chef de la délégation gouvernementale colombienne pour les pourparlers, Humberto de la Calle, a annoncé son retour lundi dans la capitale cubaine pour faire une évaluation de la situation avec les FARC et prendre des décisions rapides pouvant aboutir à une désescalade du conflit. Véritable choc en Colombie, l'enlèvement du général le plus haut gradé tombé aux mains de la guérilla en un demi-siècle avait entraîné une interruption du dialogue lancé pour mettre fin au conflit le plus ancien d'Amérique latine. Un conflit qui a provoqué 220 000 morts et plus de 5 millions de déplacés selon des chiffres officiels. Forte de 8 000 combattants repliés dans des zones rurales, les FARC, principal mouvement de rébellion en Colombie, avaient déjà fourni une preuve de bonne volonté en relâchant mardi dernier 2 jeunes soldats retenus depuis le 9 novembre à la suite d'affrontements dans le nord du pays. Ce sera tout pour cette édition, mais avant de partir, la pensée africaine du jour nous vient du Congo et dit « Il ne faut pas parler du crocodile tant qu'on n'a pas fini de traverser la rivière. » Il ne faut pas parler du crocodile tant que vous n'avez pas fini de traverser la rivière. Merci de nous avoir suivis. C'était le journal sur Sika TV. L'information se poursuit sur www.sikatv.info. We'll be right back.